Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre folle aventure sur Denizen. Et là on est le week-end, il est 11h du matin, on s'est levé vers 10h30, oh ouais quand même le samedi, même s'il va falloir bosser hein, quand même aujourd'hui, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans le portefeuille. Et un copain m'a conseillé d'aller faire un petit peu de logistique, c'est payé 8$ par heure. Normalement, voilà, il a parlé de moi au patron. Je devrais être pris, mais je vais postuler parce que je me dis, faisons un petit peu d'argent et ensuite, on va lancer sa propre affaire. Moi, avoir un patron au-dessus de moi, ça me plaît pas. Vous voyez, je préfère être mon propre patron. Et donc, bah écoute, hein, bon, pour ce week-end, oui, peut-être encore un petit boulot, mais ensuite, voilà. On va voler nos propres ailes. Je vais manger un petit peu, une petite barre, parce que j'ai faim, mine de rien. Ouais, je vais manger un petit peu. Hein. La petite barre. Allez, hop. Ouais, je vais même en prendre une deuxième. Hein. Il va falloir que je refasse des courses. Hein. Ah, c'est incroyable. Et je viens de m'apercevoir que je transporte un tabouret depuis tout le temps. On va peut-être le mettre là. Hein. Ah, bon. Peut-être aller prendre ma douche quand même parce que je sens un petit peu le phoque, hein, disons-le. Ensuite, j'aurais dû aller aux toilettes avant. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave. J'attends quand même. Bon, regardez pas. Voilà. Ça me gêne toujours un petit peu là quand vous êtes derrière moi. Enfin bref. Est-ce qu'on a reçu ? Non, ils m'ont pas répondu pour l'offre d'emploi. Ah bah attends, j'espère que je vais l'avoir, hein. Ah, avec ce pote, je me méfie. Hein. Je me méfie. On va fermer la porte. Hein. Hop. On va aller se balader un petit peu en attendant. Allez, c'est le matin. On prend les escaliers. Ah. Sinon, de toute façon, je vais aller faire les courses. Hein. Ah, ça y est, j'ai reçu. Ça y est. Mon téléphone a bipé. Climax Logistique. À mon avis. Et ouais, ils me prennent. Ah, super. Super. Et ben, dans ce cas-là, à quelle heure, ça, ce serait bien de le savoir. Ah oui, pour l'heure, j'avais oublié, c'est là, 2h, 7h du matin. Ah ouais, je vais travailler de nuit. 10h, 14h, c'est mort, hein. Il est déjà midi. Ah ouais, ah non, j'avais pas prêt. Oh là là. Oh, bah écoutez, je vais bosser de nuit hein, ce week-end. Ah bah tu parles du week-end, non? Ah, tu parles du week-end. Bah dans ce cas-là, ouais, je vais aller faire des courses. Hein. Je vais aller à la pompe à essence, puisque c'est le seul endroit où on peut faire des courses. Et voilà. Ah non, j'ai cru que c'était ma voiture, mais non, pas du tout. Mais attendez, je l'ai garée où, ma voiture? Bonjour, mademoiselle! Mademoiselle, non, mademoiselle ne veut pas me parler. Je l'ai garée où, ma voiture? 2h, 7h, moi je pensais profiter un peu de mon week-end. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc aussi qui me gêne. J'aimerais bien trouver l'amour. Jade, s'il te plaît, je lui envoie plusieurs messages, mais à chaque fois, elle m'envoie balader. Est-ce que tu veux me guider à travers la mer prétentieuse des expositions d'art moderne? Je promets d'apporter une flasque. Hein? Quoi? J'ai rien compris à ce que j'ai marqué? Oh, je suis un peu crétin. Hein. Ah, je suis partant. Tant que nous pouvons nous moquer des abstraits et rouler des yeux devant les installations hors de prix et la flasque non négociable. Bah pas en soirée. Tu en as autant marre que moi d'utiliser cette application? Ah merde. Je crois que j'avais un coup mais j'ai rien compris. Oh merde Jade. Et j'ai pas bien répondu. Tamara? Amara pardon? Tu sais qu'il y a des biscuits fraîchement préparés ici? Je sais pas quoi lui dire. Oh, c'est délicieux, j'espère que tu en as gardé pour moi. Oh, je crois que j'ai un petit coup avec Amara. Les cookies sont mon point faible. Tu sais, Amara, je veux être la magie de ta vie. Dans ta vie. Oh merde, à chaque fois, bon. On est un peu mieux, C'est pas encore ça, bon, c'est vrai que je suis peut-être un peu lourdos. Hein. Bon, elle était là, ma voiture. Bon, go, allez à la station, allez faire les courses. En tout cas, on a de la chance, il fait beau ce week-end. Mais alors, ouais, bosser la nuit, franchement, c'est pas cool. Faut regarder, messieurs dames. Hein.
Encore une fois, elle freine pas bien. Mais attends, je vais en profiter pour regarder la station. Ouais, on va aller à celle-ci. La dernière fois, j'avais été à celle-ci. Là, on va aller à Kingswood. Parfait. Bon, par contre, je vais pas laisser passer tout le monde hein, non plus. Hein, n'exagérez pas. T'en laisses passer un et voilà, t'as toute la ribambelle qui en profite. Hein. Allez, go. La station service. Oh merde. Elle a un problème de direction aussi. Hein. J'y peux rien. Bah, c'est une vieille bagnole hein, en même temps. Hein. J'ai déjà faim à nouveau. Hein. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai la dalle, j'ai la dalle. Ah, j'ai bu de l'alcool ou quoi? Ce matin, je conduis comme. Ah bah non, comme d'habitude, c'est vrai. Je suis bête. Allez, on profite un petit peu du beau temps. On est bien parti dans le bon sens là. Tout d'un coup, j'ai un doute, ça me semble loin. Et non, je suis pas parti dans le bon sens, mais c'est pas vrai. Ah, ce GPS, hein, je vous jure. Incroyable. Eh ben écoutez, je fais demi-tour. Hein. Ah bah tiens, on y est à la station, enfin. À moi, le sens d'orientation, ça a jamais été mon point fort. Je pense pas qu'on va faire le plein, hein. Ça coûte une blinde. On va se garer, on fait les choses bien, nous. Hop. Hop, voilà. Allez, on va aller faire nos courses. Est-ce qu'ils proposent la même chose que dans l'autre station ici? À mon avis, oui. Hein. Ah oui, la beef cream, mais moi j'en veux pas de la beef cream. Hein. Bonjour madame, oui, je vais vous prendre. Alors, un petit sushi. Des petits sushis aussi comme ça, avec des tamagoyaki. Très bien, et puis je vais prendre des barres. Je vais prendre une de chaque. Ça coûte pas cher. En boisson aussi, hein. Je vais peut-être prendre à nouveau des boissons. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que vous avez? Mais c'est bon la beef cream! La crème de bœuf est la boisson préférée de tout le monde. Ah ouais? Ah, vous êtes bizarre quand même. Hein. Je prends une beef cream aromatisée à la fraise. J'espère que je vais pas vomir. Hein. J'espère que je vais pas vomir. Bon, j'essaye. Non, la bière, faut que j'arrête. Hein. C'est pas bien. Je vais me prendre soda aux myrtilles. Ça doit être dégueu aussi. Bon, on tente des choses. Soda à la pastèque. Et au citron vert. Ça, c'est peut-être plus sûr. Oh, j'ai envie de me prendre. Oh, bah si, on sait jamais. On se prend un petit billet de loterie. Hein. Un classique clash. Ouais. Et un party time. Ah, mais ouais, les jeux d'argent. C'est quoi 18 millions là? C'est le prochain loto? Eh oui, comment on fait pour jouer au loto, madame? Sur mon téléphone, peut-être? Parce que j'ai les machines à sous, mais le loto. Mais moi, je veux gagner les 18 millions, moi. Comme ça, je reviens plus jamais, hein. On peut pas? Je sais pas. Je sais pas. Bon, écoutez, merci bien, madame. Merci beaucoup pour votre accueil. Et on va tout de suite gratter nos billets de loterie. Même si j'ai l'impression que c'est un peu une arnaque, hein. Parce que ça coûte cher. Et finalement, tu peux pas gagner grand-chose, hein. Non, mais c'est pas vrai. Malheureux en jeu, heureux en amour. Hein. Ah bah non, ça marche même pas. Hein. C'est une voleuse, c'est jamais gagnant. C'est dingue ça. Incroyable. Bon, il est quelle heure? Vous savez quoi? Moi, je vais retourner à l'appart. Je vais aller faire une petite sieste. Hein. Parce que je me dis que je vais être. Oh bah non, je suis pas fatigué. Je sais pas quoi faire, là, je m'embête. À 2h, 7h, le boulot, c'est vrai que ça m'arrange pas plus que ça. Hein. Et je viens de découvrir qu'il y avait un casino. Bah ouais, mais il faut que je conserve mon argent, mais on peut aller au casino, il y a même un nightclub. Mais là, je vais pas pouvoir y aller. Oh putain, c'est vraiment pas de bol. Ouais, bah écoutez, hein, pour passer le temps, je vais aller un peu au casino. Attendez, on arrive sur une ville absolument énorme là. Incroyable, il y a des buildings et tout, des gratte-ciels. C'est le quartier d'affaires. Mais bon, pour l'instant, visiblement, j'ai rien à faire là. Ouais, à mon avis, dans le futur, ils construisent. Il y aura énormément de trucs. Ah, c'est là. Show casino. Vas-y, vas-y. Je sais, c'est pas bien. On est mal garé, nous on prend deux places, hein, on est comme ça, hop. C'est, mais je peux peut-être faire fortune. Hein. T'imagines, je fais fortune, le truc de logistique, j'y vais pas. Hein. Même pas en rêve. Hein. Allez, on va voir ça. Bonjour, bonjour madame. Vous n'êtes pas disponible. Putain, il y a plein de machines. Combien on parie? Allez, on parie 3 dollars. Allez, allez, les soleils, les soleils.
3$. Je dépense. Je vais péter cette machine. Je suis en train de perdre tout mon. Ah, j'ai gagné. Ouais, super. 6. Non, non, moi je veux le jackpot. Le jackpot, le jackpot. À 650, j'arrête. Hein. Enfin, il va falloir que je récupère. 9$, ouais, c'est un peu pété. Parce qu'il n'y a pas des machines. Non, elle est cassée, cette machine. Elle marche pas. Vas-y, on va en faire une autre. Je vais me mettre à côté de vous. Oui, je vais prendre la sex machine. Bonjour. Bonjour. Vous avez gagné, vous? Non, bah non, c'est des escroqueries. Hein. Oh putain. Bah non, 12$. Je suis déçu. Allez. Mais c'est pas vrai. Mais pété en deux. Hein. Allez, s'il vous plaît, faites-moi rêver. Même pas. 3$. Bon, jusqu'à 700, hein. Ou 800 si on gagne. Allez, c'est les derniers. Oh. C'est pété. 6$. Allez, faites-moi rêver. Mais non. Ah, le jeu et moi, c'est. J'arrive pas à partir. Allez. 3$, il me reste 2 coups ensuite. Il n'y a pas d'autre machine, il n'y a pas autre chose. Oh, oui. 15$, c'est tout. C'est tout pété en deux, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, 15 casinos, monsieur. Oh, il y a des blackjack en haut. Pardon, excusez-moi, mesdames. Je vais monter. A priori, il y a du blackjack, on va se refaire. On va se refaire au blackjack, vous inquiétez pas. Bonjour, monsieur. Oui, je veux faire une petite partie. Je mets 50$. Je tente tout, en un coup. Allez. Oh putain, c'est pété. Oh, 20, je reste. Oh yes. Merci, monsieur. Non, je retente pas. Au final, on a récupéré ce qu'on avait perdu, quoi. Ouais, j'ai eu un peu plus de chance, là. Hein. Bon. Et on va peut-être s'offrir un petit verre. Hein. J'ai faim. Vas-y, je vais descendre par l'ascenseur. Hein. Hop, profitez un petit peu. Allez, au rez-de-chaussée. Enfin, au 1. On est bien au States. Allez, go. On va aller se prendre un petit verre. Tranquillement, si on peut. Petite boisson. 2,50$. Bon, c'est un truc un petit peu costaud. Mais nous, ça ne nous fait pas peur. Ça nous fait pas peur, non, je vais pas en prendre deux parce qu'après je vais pas être bien. Oula, déjà que je vois un peu trouble. Bonjour madame. Bah attendez, je vais faire une petite partie de machine à sous, je vous dérange pas au moins. Hein. Ouais, bah je vois rien, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez gagné? Non, bah oui, personne ne gagne, 9$. On est bénéficiaire là aujourd'hui. Hein. Allez, encore 2 coups, excusez-moi, après on arrête. Allez. Tu as dit quoi? 2 coups? 3 coups. 3 coups. Allez. 6$. On va. Je vais me refaire. Oui. 3$, c'est tout. Non, j'arrête. Vous voulez pas venir boire un verre avec moi, mesdames? Non. Il est quelle heure? Oui, il est 20h20. Il faut que je mange un truc là. Je vais reprendre une barre. En plus, avec l'alcool, c'est compliqué. Je vais vomir. Oh, que c'est dégueulasse. Il faut que j'aille aux toilettes maintenant. Oh, nom de Dieu. Elles sont où, les toilettes? Monsieur, les toilettes au fond. D'accord, j'y vais tout de suite. Oh, dégueulasse. Oh, dégueulasse. Au fond. Il s'est foutu de ma gueule. Il n'y a pas de toilettes ici. Attends, on fait voir. Ah non, ça c'est sortie de secours. Il s'est foutu de moi, elles sont où les toilettes? Y a pas de toilettes? Bonjour madame, vous êtes ravissante. Les toilettes, vous savez pas, vous venez d'arriver. Ah bah on est bien. Bonjour monsieur, vous êtes ravissant. Les toilettes,
il n'y en a pas. Ok, ou il y en a, mais vous voulez pas me dire. Merci, hein. Super l'accueil. Hein. Bah, je vais reprendre ma voiture. Hein. Où elle est, ma bagnole? Mince, ma voiture. Je l'ai garée où? Je me souviens pas, j'ai trop bu. Oh là là, je suis resté trop longtemps dans le casino. Bon, on n'a pas fait fortune, mais on n'a pas perdu d'argent. C'est déjà bien, on a tout mis sur le blackjack. Sauf que ma bagnole, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Il va falloir que j'aille voir un cardio. Hein. Dès que je cours, j'ai un souffle au cœur. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Hein. Je suis désolé. Mais peut-être que... Ouais, bah, va falloir... Enfin, c'est à 2 heures, tu vas me dire. Mais je me retrouve un peu au milieu de nulle part. Ah, il était là. Est-ce que j'ai le temps d'aller en boîte de nuit? Je me demande. Mais bon... Après, je vais être claqué. Hein. Je sais pas. Ce qu'on fait, c'est juste à côté. Peut-être le temps de... vite fait, quoi. Hein. Vite fait, une petite boîte. Ça peut être toujours sympa. Hein. Allez, vas-y. Alors, pareil, est-ce que je suis parti dans le bon sens? Ouais. Si, on a le temps. Je vais être complètement explosé. Hein. Complètement explosé. Mais en plus, ici, on connaît pas. Enfin, moi, je connais pas. Vous connaissez peut-être, mais moi non. Il avance pas, lui. Où est-ce qu'il faut tourner? La boîte de nuit... La boîte de nuit, elle doit pas être bien loin. Hein. Attends. Ouais, on est sur la bonne route. On est sur la bonne route. Ici, c'est bien, mais c'est vide. Enfin, c'est vide. Je veux dire, il y a pas grand-chose à faire, là. Je pense qu'un jour, il y aura des trucs à faire. Et ça, c'est bien. Où est la boîte? Est-ce que c'est pas ça, la boîte de nuit? C'est pas facile. Oh, merde. Ah bah oui, heureusement qu'il n'y a pas de flic. Hein. Non, c'est encore... faut encore avancer. Ah, parce qu'en plus, comme je suis positif, là, avec la bière... Ah, c'est là. C'est là, je pense. Hein. Non, c'est pas là, hein. Non, c'est pas là. Je sais pas, c'est un magasin. Allez, attends. Ah bah attends, je suis sorti de... Ah bah non, peut-être pas. La boîte de nuit, elle est peut-être juste là, non? Non, c'est pas ça, ça aussi, c'est un... C'est pas une place, mais il n'y a pas de place. Je vais me mettre là. Bah attends, je suis juste à côté. Ah bah si, c'est bien là, la boîte de nuit. Go. On se dépêche, hein. Allez. 10$. Lounge Access, sold, il n'y en a plus. VIP, il n'y en a plus. Bon, bah, je vais prendre qu'un truc basique, hein, une entrée basique, 10$. Ah, non, c'est un peu lugubre, il n'y a pas grand monde. Ah, mais oui, parce qu'on n'a pas la musique. Ah bah si, on va quand même... Ah bah, on prend le risque. Voilà, c'est quand même mieux, tant pis, hein. Allez, ça swing, bonjour madame. Oui, moi aussi, je danse. Vous êtes disponible? Non? Je veux pas me parler. Oh, la main aux fesses, tu crois que je t'ai pas vu? Bonjour. Ah oui, non, quelle ambiance, hein. Ambiance de fou ce soir, hein. Moi, ce soir, je dois aller travailler après la boîte, ouais. Logistique, je suis dans la logistique. Jusqu'à ce week-end. Pas me parler. Ok, super, hein, les super ambiance. Hein. Bon bah je vais me prendre un verre. Hein. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai la boisson gratuite. Bah autant en profiter. Ah, je bois beaucoup en ce moment. Hein. Ouais, c'est quand même le 2e ou 3e de la journée là. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas parler. Oh, personne veut me parler. Oui. Dansons ensemble. Non. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, t'es déprimé. Là, tu danses devant le mur, là. Hein. Je te dis ça, je... Oh, t'as bu, toi. Hein. Ouais, t'as bu. C'est votre mari. Hein. Ah, bon courage. Hein. Bon courage. Sûr, y a pas possible. Les deux sœurs, là. Je vous emmerde. Ok, super, sympa, merci. Bon, écoutez, la boîte de nuit, on se casse. Incroyable. Il n'y a pas des toilettes dans la boîte de nuit? Parce que c'est le mot. Ah bah tiens, j'ai de la chance. Hop, excusez-moi.
Ah, cette fois-ci, regardez pas, s'il vous plaît. Ah, je me sens mieux. Ah. On est propre, on se lave les mains quand on sort des toilettes, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. J'espère que j'étais pas... Je me demande si j'étais pas chez les dames. En même temps, il n'y a pas d'indication. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, bon... je suis un peu déçu, hein, de l'ambiance. Hein. Faire un petit peu mieux. Hein. Allez, ouais, il faut que j'y aille, là. Le temps d'arriver au truc de logistique. Non, il faudrait pas que j'arrive en retard. Je vais être complètement claqué. Hein. Allez, on va prendre la bagnole. Encore une fois... J'espère qu'on va pas tomber sur les flics. Ouais, alors ça, je vais quand même pas prendre trop de risques hein, sur la musique. Hein, n'exagérons pas. On a déjà pris un petit peu. On peut pas non plus en prendre tout le temps. Hein. Vous voulez que je vous ramène quelque part, madame? Non, on veut pas me parler. Hein. Personne veut me parler dans cette ville. Tant pis. Allez, au boulot. Alors vas-y, il va falloir que je me retrouve. Je sais même pas où je suis, là. Si, ça, ensuite, je vais tourner à gauche. Et ça devrait être bon. Le stop. C'est bon, il y a personne. J'ai eu peur, je sais pas de quoi. Et ensuite, à droite. On respecte, hein. On est comme ça, nous, hein. Allez, direction l'entrepôt de logistique. Je veux pas vous inquiéter, mais j'ai peur qu'on soit à la bourre. Hein. Il est 1h35 du matin. Moi, j'embauche à 2h. On n'y est pas encore, parce que c'est pas là. Moi, je pensais que c'était là, mais pas du tout. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Ah bah, pour une première nuit, plutôt. Arriver en retard, ça la fout mal. En même temps, c'est un dimanche. Hein. Attends, je crois que c'est ici. Ah bah non, on va être à l'heure. C'est ici? Oui, Climax Logistique. Le patron m'avait dit de me garer ici. Bon, pareil, je prends deux places. Hein. On s'en fout, on est pile à l'heure, voilà, fallait pas s'inquiéter. Hop, alors, c'est ici. Et maintenant, au boulot. Hein. Au boulot, je crois que c'est par là. Il faut prendre un chariot. Et ouais, ça commence, hein, direct. Bah oui, j'utilise... Et je dois faire quoi? Ah oui, je dois charger, il y a un camion qui attend. Violet, là. Violet. Hop. Comment ça marche? Comme ça. La caméra, c'est pas simple. Hein. Oh merde, j'ai un peu abîmé le chariot, je crois. Ça passe. Allez. Il faut que je le mette au fond? Je sais pas. Oh merde. Ah c'est bon. Et là... Ah oui, oh là là, j'en ai de partout. Orange, rouge. Orange ou marron. Ça doit être celui-là. Oh dis donc. Oh c'est pas un boulot pour moi ça. Heureusement qu'il faut pas être précis. Hein. Oh, attention, ça va tomber. Peut-être pas besoin de le mettre tout au fond. Hein. Je gagnerai un peu de temps là. Hop. C'est bon, ouais. C'est bon, le rouge. Il m'en faut deux rouges. Ah, les camions qui... Oh, merde. Les camions qui... Merde, je l'ai abîmé. Vous dites rien. Hop. Vas-y, le rouge. On n'est pas limité, au moins. Voilà, il y en a de partout. Je suis perdu. Rouge et noir. Ok. Hop. Là... Pas sûr que je reviendrai, hein. Je suis pas sûr que le patron va être très content. Rouge et noir. Attends. Ah, rouge. Rouge, noir, j'en ai pas. Ah si, j'en vois un. Ok. Oh, putain, c'est compliqué, c'est pas pour moi. Merde, je vois rien. Vas-y. C'est bon. Avec la caméra, c'est un peu complexe. Ah, deux noirs. Après le rouge, on s'occupe des noirs. Ok. Vas-y. Hop.
On est pas mauvais finalement, hein. On se débrouille, hein. Noir. Noir, 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 c'est là. Pas simple à manœuvrer, hein. Faut pas croire comme ça. Oh merde. Attends, là, je t'en prends deux d'un coup, là. Ah non, un seul. Oh merde, 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 merde. Robes. Ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans le truc. Je reconnais, j'ai fait une petite faute. Allez, là, c'est bon. Oui, vous inquiétez pas. On gère. Tranquillement. Hop. Et là, ça sera bon, ça sera le cinquième. Donc le patron pourra rien dire. Ouais, parfait. Bon, écoutez, moi je continue quand même, hein. Je suis bien obligé. Je me suis engagé. Je respecte mes engagements. Bon, allez, un dernier chargement, là, après moi. J'aurai fini, j'en peux plus, hein. Il va être 7h du matin. Honnêtement, je suis, mais alors claqué de chez claqué, hein. Ah ouais, non, 13 secondes, là, terminé. Je me demande si je me suis pas planté. Tiens, sinon celui-là... Dans 10 secondes, j'ai plus le temps, je vais aller garer mon chariot. Je vais le mettre comme les autres. Hein. Ah bah non, moi je suis respectueux. Hop. Voilà. Ouais, j'ai quand même fait 15 chargements corrects. Hein. Donc c'est pas si mal. Non, les autres, c'est Hervé, hein, qui prend la relève. Voilà, terminé. On a fait... ouais, ça paye en plus. Ça paye pas top. Hein. Ça paye pas top. On était passé level 2. Ouais, le patron, pas très généreux, hein. Là, dans ces métiers-là, c'est dur, et puis t'es pas récompensé. Bon, au final, on a 400, on a gagné $135. Je préférais faire les boissons, hein. Je gagnais plus avec les boissons. Bon, écoutez, c'était un dernier petit travail, là. Je pars à la maison, 7h du matin, je vais glander, mais tout mon dimanche, hein. Je vous le dis, j'ai soif, j'ai faim, je suis crade. Ah, j'en peux plus, je n'en peux plus. Allez, direction la maison, on se retrouve à l'appart. Attendez, je vais essayer de couper. Je connais un raccourci. Alors, c'est un peu le bordel. Mais faites-moi confiance. J'espère que je ne vais pas tomber sur un sanglier. Il manquerait plus que ça, que j'abîme mon pick-up. T'imagines ? Voilà, merde, après je sais plus où c'est. Vas-y. On y va à l'instinct. Ça va le faire. Allez, le soleil se lève, hein. Le jour se lève, bah oui, forcément. Fais voir, il est quelle heure ? Ouais, 7h, il va être 8h du matin. Non, moi, les nuits blanches, je peux plus, hein, j'ai plus l'âge. Bah bon, vous le voyez, hein, je suis fatigué, hein, ça c'est clair et net. Ouais, on va par là, hein. J'espère qu'on est bien quand même. Ouais, on n'est pas si mal, c'est un petit miracle, hein. C'est un petit miracle. Et là, on récupère... Non, c'est pas la route principale. Fais voir. C'est bon, on n'a pas croisé de sanglier. Elle est où, cette route principale ? Ah si, c'est par là. C'est par là. Je vois là... C'est la station. Je vais faire le plein. Hein. Ouais, elle consomme en plus. Je vous raconte pas. Elle consomme trop, hein. Mon avis, il y a une fuite. Hein. $75. En gros, j'ai bossé pour... Pour payer l'essence. Magnifique. Magnifique. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas remettre un petit peu en épargne. Hein. Vous savez, moi, j'aime bien économiser un peu l'argent pour jouer ensuite à la machine à sous. La banque. Fais voir. Ouais, j'ai 424 d'économie. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est mon solde total. Eh bien, oui, mais c'est la télé qui m'a coûté une blinde, hein. Certains qui disent qu'elle marche pas, elle marche très bien, hein, ma télé. C'est rageux, hein, rageux. Marche pas ma télé, bien sûr qu'elle marche ma télé. Attendez. Bon, allez. Ouais, c'est bon, on est bien. On va arriver en ville. Ouh, il y a un chauffard. Ah bah bravo. Bravo, madame. Vous avez besoin d'aide ou pas ? Madame, attendez, je vais quand même l'aider. Faut que j'appelle les pompiers. Faut arrêter d'appuyer sur. Non, mais madame, faut arrêter là. Faut couper le moteur. Hein. Je veux pas couper le moteur, madame. Alors, les pompiers. Ah bah non, je suis con, c'est un smartphone, ça fait plus téléphone. Bah oui, bah je suis désolé, madame. Hein, je vais pouvoir rien faire pour vous. Hein. Ah ouais, non, mais là... Ah ouais, non, bah, là, c'est...
Là, c'est la dépanneuse, hein. Appelez la dépanneuse, hein. Moi, j'ai pas de téléphone. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien. Moi, je voulais bien l'aider, mais visiblement, elle est un peu sous le choc, hein. Les gens conduisent comme des dingues. Vraiment, ça fait peur. Oh, attention, freine. Bon, là, faut y aller, hein. Il va laisser passer tout le monde. Il y en a qui ont besoin de dormir, là. Avance. Ça y est, quand même. Eh ben. Aïe. Oh là 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 là, ça avance pas. Non, nous, on est à l'autre bout de la ville. Ah bah, je suis pas arrivé, hein. Ah, voilà, les 300 derniers mètres, c'est les plus longs, hein. Nom de Dieu. Allez. Hop, on va se garer juste devant. Pile poil. Voilà. On se met bien notre place. Le parc. Et non, c'est pas ça. Et on sort. Et direction le dodo. Allez, j'en peux plus. Ils ont toujours rien fait, la copro, hein. Ah bah non, là, je prends pas l'escalier, hein. Ah bah non, je prends l'ascenseur. Tu penses bien, je vais peut-être manger un petit bout. Peut-être me laver avant, parce que là, je suis dégueulasse, hein. Honnêtement. Allez, quatrième. C'est parti. Regardez, j'ai les yeux rouges, là. Et lundi, on va acheter notre... lundi, on lance notre propre entreprise. Ça, c'est clair et net. Vas-y, je vais déjà fermer les rideaux. Hop. Très bien, je vais fermer aussi la porte de chez moi. On va prendre un petit verre d'eau parce que j'ai soif. Même en prendre un deuxième. Glou, 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 glou. Voilà. Et puis, est-ce que je me fais pas des chicken, là? J'aime pas trop... Ouais, mais... Avant de dormir, non. Je vais plutôt prendre une barre. Hop, une petite barre. Une deuxième barre. Et ça ira. Oh, tant pis, non, j'irai prendre ma douche après. Allez, au dodo. Terminé. Ah ouais, je vais me lever à 22h, mais c'est la merde, hein. Ah, c'est la merde, hein. Ah, mais ouais, tant pis, hein. Aujourd'hui, je vais jette, hein. 22h, maintenant, j'ai plus du tout envie de dormir. En plus, je suis con, j'avais oublié le match de Coupe de France. Eh oui, Strasbourg, Atlético, Marseille. Comment ça, ma télé, elle marche pas? Vous rigolez, c'est sur ID Sport 1. Mais oui. Allez, Arnaud de là qui s'est bien battu. Allez. Qui a récupéré son Norman Bassett. Allez, Norman allez. Bassett. Mais oui. Mais oui. J'arrive juste pour la fin du match. Il y avait 2-2. Il y a 3-2. Et à la récupération du petit. Mais attends, bien sûr qu'elle marche ma télé. Hein, mais croyez quoi, là, hein. Sans doute s'en sortir. Lucille. Ah, magnifique. Hein. Vous avez vu ce but de Norman, là? Mais je sais pas si vous le connaissez, c'est un dieu, moi je suis fan. Attends, c'est pas fini, il reste quelques secondes. Allez, allez, le quatrième. Deuxième poteau. La remise de Martin. Yes. Ils sont en huitième. Ils sont en huitième de finale. Ah, génial, je suis trop content. Fais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. IDRJ12. Oh, ça c'est les programmes de merde, ça. C'est quoi? Oh ouais, oh non. Oh, un programme de merde, ça. Hein. Et il y a des gens qui regardent ça. Hein. C'est la nouvelle émission d'IDRJ12. Ils suivent un couple qui s'entend pas du tout. Faire un tour du monde, ça a commencé là, dans le prochain jour, je crois. Le truc sans intérêt. Oh non, ferme-moi ça. Oh non. Alors là, franchement. Des programmes de merde. Est-ce que je vais pas prendre une petite douche? Et vous savez quoi? Je crois que je vais aller me recoucher. Parce qu'en fait, le fait de dormir, eh ben ça me fatigue. Ça me fatigue encore plus. Mais là, je me sentais pas très propre. Petite douche, un petit voilà, sur la cuvette. Et à nouveau au dodo. Ah, je me suis pas lavé les mains, attends, c'est un peu dégueulasse. On va quand même se laver les mains, merci. Et ouais, je me rendors comme ça. Je pense que demain matin, je vais me lever tôt et je vais aller voir pour louer un magasin. Allez, je redors.
Ah non, je fais une sieste. Je fais une sieste tranquille. Et quelle heure? Ah merde, bah voilà, ça c'est le problème, hein. Tu te lèves, t'as dormi toute la journée, et forcément t'as plus envie de dormir. Écoute, hein, tant pis, hein. Comme ça on va être bien, hein, pour débuter. Allez, je vais prendre des petits sushis. Au petit réveil, à 1h du matin, après la sieste, quoi de tel que des petits sushis, hein. Allez, hein. Hop, utilisé, parfait. Le problème c'est que je vais me faire chier, hein. Je vais attendre ici, hein. Je vais attendre. Tu vas voir, on va jouer un peu, on va jouer un peu. Machine à sous. Vas-y. Allez. Allez. Allez, big money. Oui. 9, 9, c'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, vas-y, vas-y. Je rejoue. Non, ça s'est pété. Non, c'est pas mal. 6, 6. Je fais de l'argent là en fait, hein. C'est mieux que la logistique, hein. Ah merde. Ah, je fais pas de l'argent à tous les coups. Allez, 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 allez. Toujours pas. Putain, il faut que je me refasse là. Faut que je me refasse. Faut pas que je descende en dessous des 800. Hein. Ouais, 3. J'ai encore 2 coups. Allez, allez. Ouais, 3. Mais moi, je veux le pactole là. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, pété. Allez. Allez, là, je le sens. Non. Bon, là, je le sens. Là, je le sens. Faites-moi confiance. Oui, 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 oui. Putain, mais c'est pas 3 qu'on veut, c'est le million. Un dernier, je suis juste en dessous des 800, c'est bon. Allez. Merde. Excusez-moi. Ah merde, la facture. Ah oui, c'est vrai, moi ça les paye automatiquement, hein, je crois. Oui, c'est j'ai un prélèvement automatique, vous inquiétez pas. Donc ouais, alors attends, on va regarder, hein, parce qu'on va pas attendre. Là, ce magasin, c'est $150 par jour. Hein. Situé dans Cutler City Center, bah, c'est là où j'habite. En même temps, c'est pas mal. Cette boutique attirera certainement de nombreux clients. Il y a suffisamment d'espace pour stocker tous les achats impulsifs que vos clients s'arracheront. Qu'est-ce que je vais vendre? Parce que oui, je fais mon... Ah ouais, et puis il faut payer loyer 3 jours d'avance. Bam! 4 jours, 5 jours... Non, je vais payer 2 jours. 2 jours, il faut que ça carbure direct. Hein. Le truc, c'est que je sais pas du tout ce que je vais vendre. Hein. Là, on le fait, mais... Allez, vas-y. Ah non, renouvellement automatique désactivé. Ouais, activé, on verra. Je vais aller à ma boutique parce que je sais pas ce que j'ai fait. Je me demande si j'ai pas pété un plomb, là. 2h30 du matin... Ah bah quand t'es patron, de toute façon, tu comptes plus tes heures. Hein. Tu dors plus et tout le bordel. Allez, go, j'y vais. Hop, hop, hop. Je me dépêche. Mince, je me suis pris la porte. Allez, 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 allez. Parce que qu'est-ce que je vais vendre? Putain, moi, je loue une boutique, je sais pas ce que je vais vendre. Souvent, à l'époque, quand j'étais encore avec Marité, elle me disait, mais t'es vraiment un crétin. C'est où? J'en sais rien où c'est ma boutique. Il va falloir que je la trouve en plus. Ah bah si, ça doit être là. Ça doit être là, Cutler Retail. Mais voilà, regardez comme c'est beau chez moi. Magnifique, Sport Games. Je vais vendre des jeux vidéo. Attends. Fais voir, est-ce qu'il y a des toilettes? C'est toujours important d'avoir des toilettes. Là, il y a mon petit ordinateur. Ouais, c'est bien. C'est bien. Non, je voulais juste vérifier. Un petit bureau perso. Alors la question, c'est on vend quoi là? Parce que là c'est un peu vide. Hein. J'aurais dû y penser avant. Ah, attendez. J'ai un nouveau truc là qui s'est affiché. Mega Merch Dépôt. Je pense que c'est là où je vais trouver des trucs à vendre. J'y vais direct. Allez, je reviendrai à ma boutique plus tard. Non, ça y était pas ça. Ça me dit rien. Allez, go, et ouais, bah comme ça, je vais pouvoir remplir mon pick-up. Et ouais, à quelle heure sur les routes? 4h du matin. Ouais, t'es indépendant. Ouh, ça passe. Ah, j'ai pas le temps, hein, je suis désolé. C'est bon, la voiture, elle est partie. Tu as dit, on n'était pas arrivé par là, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Est-ce que je suis parti dans le bon sens? Ouais, c'est bon, on va tomber dessus.
Est-ce que ça va être ouvert? C'est pas dit, hein. Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas là? Non, c'est pas là. Là, je sais pas trop ce que c'est. Mega Merch Dépôt. Ouais, c'est des produits de qualité, hein, je pense, hein, qu'on va vendre. Hein. C'est toujours des produits de qualité que je... C'est là? À mon avis, c'est ici. Attends. Je vais voir. Faut vraiment qu'ils mettent un GPS. Hein. Ah bah voilà. Video Games. Ah bah oui. Jeu d'action, 200$. Nom de Dieu. Fais voir. Grille pain, 400. Ah bah oui, on va faire des... On va faire des jeux vidéo, hein. On va... Moi, je suis jeu d'aventure, jeu de course, jeu sportif, jeu de rôle. Alors, moi, je veux des jeux de sport. Je vais en prendre... Bah oui, je prends un carton, hein. Un carton, et puis je vais prendre un deuxième carton. J'aurai pas de tout, hein. Jeu de course. Jeu de course, c'est les trucs où je suis bon. Les jeux de sport et les jeux de voiture, là, vous le voyez, je conduis comme un dieu. Je serai comme ça conseiller les clients. Bon, après, je suis vachement bon dans les jeux d'aventure aussi, hein. Je suis un dieu aussi, ouais. Ah, je suis un dieu un peu partout, hein, c'est vrai. Allez, je prends ça. Ah bah, c'est direct, ça a été chargé. Et on va... eh bah, écoute, très bien. Je vais... C'est bien que ça soit ouvert la nuit, hein, par contre. Hein. Je vais aller mettre ça dans ma boutique. Hein. Il ne me reste plus rien, là. Je tente le tout pour le tout. Mais j'y crois à ma nouvelle boîte. Honnêtement, en plus, quand tu vois comment c'est florissant, les magasins de jeux vidéo... C'est pas comme s'ils fermaient tous les uns après les autres et que tout était en démat. Non, non, bah non, non, non. Physique, hein. Les gens, ils veulent ça, hein. Allez, non, j'ai pas le temps. Désolé. J'ai pas le temps non plus. Attention, ne traversez pas. En plus, c'est pratique. Voilà, c'est pratique. C'est juste en face de chez moi. Nickel. Bah je prends, hein. Ah bah non, 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 c'est pas le... Comment on prend les cartons? Fuji Commando, c'est ma bagnole. Ça le prend automatiquement? Peut-être. Je sais pas. Racing Game, est-ce que si je vais dessus... non, alors je sais pas comment on les prend. Ce qui est un peu... un petit peu con. Un petit peu con, en l'occurrence. Comment on prend nos cartons dans la bagnole? Vous savez quoi, je pense que je suis idiot. Je pense qu'il faut les charger par l'arrière du magasin. Mais oui, je crois qu'il y avait, quand on y avait été... Pardon, excusez-moi madame. Je crois qu'il y avait justement des endroits pour déposer nos fournitures. Ouais. C'est ici. Bah voilà, charger la marchandise. Voilà, on n'est pas complètement crétins. Un petit peu, c'est vrai. Tu aimes bien, j'aurais pu la laisser là, ma bagnole. Ouais, bon. C'est quand même pas top. Ouh, merde! J'avais pas vu, j'ai hésité. Dépêchez-vous. Parce que, mine de rien, le temps passe. Hein. Ouais, 6h. Moi, 8h, j'ouvre. Hein. 8h lundi matin. Ça sera ouvert et je veux du monde. Je veux du monde dans mon magasin, n'hésitez pas à venir. Je pourrais vous conseiller sans problème. Hop. Terminado. Je vais faire fortune. Ah ben voilà. Nickel. Ouais, ça fait un peu vide, hein, pour l'instant, mais ça va se remplir. Si on fait une bonne journée, honnêtement, il y a moyen. Mais comment on fait pour ouvrir notre magasin? Est-ce que j'attends là? Il est 6h40. Bon, je ne vais pas ouvrir si tôt, hein, en même temps. Hein. Mais ah bah voilà, c'est en appuyant sur tous les boutons du clavier. Nom du magasin, ID Games. Ah oui, non mais tu vas me dire, on va pas faire. Ouais, bah pour l'instant. Ah oui, mais c'est QWERTY. Ouais, bon, c'est pas écrire, hein. ID Store. Ouais, c'est bien. Il y aura des avis. Donc, jeux vidéo pour l'instant. Nous, on ouvre à 9h. Ouais, ou 10h. Ou 11h. Non, 9h. Ouais. 10h, 19h. Les jeux de course, 30$.
tu rigoles, il y a les derniers jeux de course. Moi, j'ai envie de les mettre à 40. On les a achetés 20 pièces. Hein. 20 pièces, on en a 10 de chaque. Les jeux sportifs. Attends, j'ai toutes les dernières nouveautés. AFC 24 et tout. 45. Et limite. Tu vois, j'ai, en fait, c'est 40, mais je leur fais une petite remise de 2% sur les. Ouais, 1%, 5% sur les jeux de sport. Je peux faire une campagne publicitaire. Pas pour l'instant, mais sans doute qu'on le fera. Et j'ai un employé en plus. Comment ça? Mais j'ai un employé, il s'est incrusté l'employé. Ça allait, il va me coûter 108. Mais je vais faire faillite là. Ouais, bon, écoutez, on va... On ouvre le magasin. Hein. Alors, attends, il est fait. Là, on l'a ouvert ou on l'a fermé? Je sais pas. De toute façon, on va attendre 10 heures. C'est le mieux. Est-ce que j'ai pas le temps d'aller me faire un petit café? Hein? Parce que là, il est que 7h40. Ce qui est con, c'est que j'ai pas de café. Ce qui est un peu bête. Un peu bête. Bah, je vais me prendre un petit soda aux myrtilles. Hop. Ça, c'est bon. Je vais me prendre une petite barre de céréales. Et comme ça, on est bien. Mais je vais attendre un petit peu dehors. Je vais me fumer une clope, tiens. Ouais. Allez, dehors. On fume la petite clope. Ça me fait du bien. Ah. C'est quoi? Je vais même m'en griller une deuxième à la suite. Allez, c'est pas bien. Je sais. Bonjour, madame. Vous savez quoi? En faisant passer le temps, on va envoyer un message à Amara. Ouais. Amara, faut me parler. Tu sais que ce week-end, Amara, je vais redécorer mon salon. Ça t'intéresse ou pas? Amara. Elle me répond. Si tu as besoin d'un deuxième avis sur les couleurs, compte sur moi. Je ne peux pas te promettre que je suis une experte en design, mais je suis certainement une pro pour rendre n'importe quelle tâche plus amusante. Et tu veux pas aller, tu veux pas qu'on en parle ce soir, qu'on aille camper un petit peu? Je sais pas, juste ce soir. Ah putain, Amara. Bon, laisse tomber Amara, elle est chiante. Hein. Jade, est-ce que t'en as pas marre, comme moi, d'utiliser cette application? Ok, non mais c'est bien. On est bien. Chaque fois, c'est pareil. Je vais rester seul toute ma vie. Voilà ce qui va se passer, je vous le dis. Bonjour, monsieur. Il y a le nouveau magasin de jeux vidéo qui vient d'ouvrir. Qui va ouvrir, là, aujourd'hui. Ouais. Il y a une super promotion hein, sur les jeux de sport. 5% de remise. C'est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Bon, bah, je retourne à mon bureau. Hein. Hop. Allez, je vais bientôt ouvrir. Je vais me reboire une petite boisson, là. Parce que... Pour me donner de l'énergie, il va être bientôt 10h dans 20 minutes. J'ai hâte de voir les gens arriver comme des dingues. Je pense qu'ils vont arriver. Hein. Je pense que la porte va s'ouvrir. En fait, j'en sais rien. Mais à 10h, oui, on ouvre. Hein. Donc, pas de blague. La Voto, oui, il va falloir que j'y pense aussi. Hein. La nettoyer un petit peu, même si là, franchement, elle est en état impeccable. Impeccable. Allez, messieurs, dames, ça va ouvrir, il va être 10h du matin, monsieur. Jeux vidéo, ouais. Ouais, dans les, on est spécialiste de jeux de sport et de voitures. N'hésitez pas, il n'y a pas un rat. 9h58, 9h59, messieurs, dames, il y a du monde pour l'inauguration. 10h, il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne? Ah bah si, vous étiez rentré, j'avais pas... Bonjour, madame. Oui, alors là... Là c'est du vent. Mais en tout cas on peut dîner ce soir ensemble si vous voulez hein. Ah oui non. Ah oui monsieur. Le dernier AFC 24. Le meilleur. C'est le meilleur jeu de foot de tous les temps. Non, il est pas du tout pété. Non il n'y a pas de bug. Normalement il est à 70. Moi je le fais à 45 hein. Plus une remise hein, si vous en achetez deux. Ah oui monsieur.
Vous aviez vu des vidéos sur internet, youtubeurs et tout, c'était pété en deux le jeu. Ils savent pas jouer, les gens, ils savent pas jouer. Parce que vous avez pas vu les bons. Hein. Non, non, moi je vous le conseille. Hein. Ah, non, excellent, excellent. Les jeux de voiture, ouais, non, bah très très bon. Vous avez le. J'y connais rien. Non, mais ils sont tous excellents. Hein. Tous, madame, je vous conseille de tous les prendre. On fait PS5, Xbox, One X, Series, PS4, PS3, PS2, PS1, PS0. On fait tout, nous. Hein. PC, on fait absolument tout. Hein. N'hésitez pas à acheter. Ah, c'est toi l'employé, mais tu t'es un peu incrusté. Hein. T'as pas, tu m'as pas. Oh, fais pas cette tête. Tu m'as pas donné ton CV. Hein. Est-ce que t'as vendu des trucs, là? J'ai l'impression que tu vends rien. C'est quoi ça? Pourquoi t'as mis mon nom de magasin en chinois? Ça, les gens vont pas comprendre. Ah bah oui, non, c'était pas comme ça. Bah y a personne. Est-ce qu'ils achètent ou pas? Mais j'en sais rien. Après, je lui fais pas hyper confiance à lui. Par contre, là, bah, oh, non, là, on n'en a plus, là. Hein. Est-ce qu'on n'est pas trop cher? Hervé, je sais pas, il faut réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas trop cher sur le prix des jeux? J'en sais rien. On remet à 40 les jeux sportifs, avec la remise en plus de 5%. Ça devrait le faire. Hein. Client 3, objet vendu, 0. Ah ouais, ça se met à. Ah ouais, non, alors on est peut-être un peu cher. Hein. Mais à 35, on fait une remise spéciale hein, aujourd'hui, messieurs, dames. 35 $, 35 $. Hervé, il faut que tu arrives à vendre. Hein. Faut que tu arrives là. Hein. Faut que tu bouges un peu. Hein. Bouge-toi le. Bouge-toi, quoi. Bouge-toi parce que. Ah non, mais on vend rien du tout. Hein. C'est un fiasco total. Alors, est-ce qu'il faut pas que je ressorte, que je re-rentre? Venez, messieurs, dames. Monsieur Cutler Retail. Ouais, ID Store. Ah oui, ça a changé, c'est plus les mêmes. Est-ce que t'as vendu? Est-ce que t'as vendu, Hervé? Fais voir sur l'ordi. Mais non, tu vends que dalle. On est trop cher. Vas-y, le prix conseillé, c'était 30. Je remets à 30. Je remets à 30. Ouais, on fait des réductions, incroyables. Servez-vous. Servez-vous. Je reviens, hein, je reviens. Attends, je vais me prendre une clope là parce que je suis un peu en panique. Hein. Je suis un peu en panique. Ça me fait stresser. Je reviens tout de suite. J'ai l'impression tu sers à rien. Mais non, toujours 3, ça change que dalle. Vas-y, je te les remets à 40. Oui, les prix bougent tout le temps. Bah oui. Oui, on s'adapte. Non, 30, non, 35, 35, 35, 35. Tu sers à rien, Hervé. On va faire faillite là. Nom de Dieu. Je stresse. J'ai l'impression qu'il vend rien, Hervé. Vas-y, je vais me refaire. Je vais me refaire avec la machine à sous. Oui. Non, c'est naze. Allez. Allez, je suis désolé, mais ça me. J'évacue le stress là. Un petit peu. Mais je sais pas d'où il vient ce vendeur là. Allez. Il s'est pété en deux. Il s'est pété en deux. Et Jayde Amara voulait toujours pas me parler. Ah oui. 24. Bon, j'arrête là. On est passé au-dessus des 100, c'est déjà bien. Parce qu'il va falloir le payer, l'autre. Hein. Il va falloir le payer. Amara, tu veux pas me. Non, elle veut pas les camper. Tu sais que j'adore les chats. Les petits chats, miaou, miaou. À une époque, je faisais le chat. J'imitais le chat en live. Miaou. C'est une bonne nouvelle. Les chats sont les meilleurs compagnons en peluche. Mais attention, tu vas devoir t'attendre à des câlins, n'en plus finir, à des zooms inattendus. Des zooms? Ouais. Qu'est-ce que je peux répondre là? J'ai mangé des nachos et regardé ma série préférée toute la semaine, mais ça n'a rien à voir. Pourriez-vous venir réparer mon micro-ondes? Je suis pas sûr qu'elle le prenne bien. Vous n'imaginez pas l'argent que j'ai perdu au casino. Attends.
Amara, running, wine et fêtarde, quoi. Je lui réponds quoi, moi? Un chef mécontent, il parle du micro-ondes. J'en sais rien. Ouais. Ah non, on va lui parler du micro-ondes, c'était pas une bonne idée, hein. Jade, laissez-moi une chance au moins. Soirée tacos, m'essaye. Ah. Putain. Bon, et l'autre, est-ce qu'il vend? Dis-moi qui vend. Tiens, on n'a jamais été là. Vas-y, il vend peut-être des petites pilules, lui. Hein, on en a besoin. 100$, laisse tomber. Hein. Stimulant. Le sommeil est une perte de temps. Ah oui, j'en aurais besoin sans doute à un moment. Antidépresseur aussi, mais là, j'ai... Oui, ça aussi, mais... Enfin, j'ai pas envie. Transplantation pulmonaire? Ah non. Oui, bah oui, j'ai fumé 2-3 clopes, mais... Non. Pontage gastrique, oui, bah... Sympathectomie. Non, bah, je reviendrai un autre jour, hein, monsieur, hein, merci pour votre aide. Pardon, excusez-moi, je sais plus où je suis. J'ai l'impression qu'il vend rien. Hein. Oui, 111, il bouge pas notre compte en banque, là. Fais voir. Bon, alors, montre-moi. Ah si, t'as vendu, il a vendu 4 jeux, que des jeux de sport. Et tu sais ça, c'est grâce à la remise, on va baisser les jeux de course. On va les mettre à 30$. Et c'est de la merde, les jeux de course qu'on vend. Je te l'avais dit. Ah ben voilà. La boîte marche bien. Ah ben non. Ah ben je suis rassuré. Ah ben écoute, moi je vais me reposer un petit peu. Vu que tu fais le boulot, j'ai pas besoin. Hein. Ah ben non, mais c'est bon. L'affaire est en marche. Hein. Ah, l'affaire est en marche. Ah parfait. Ah non, mais je respire. Hein. Honnêtement, j'étais en panique. Eh ben écoutez... Moi, je vous dis à très bientôt. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas votre petit like. Ça fait toujours plaisir. Encore merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.